Bonjour Nelly, Nelly le Mélédo, oui c'est ça. C'est ça. Bonjour Tu Francieux. reviens juste de Pérou et waouh, on peut apprendre sur notre monde, mais dans chaque coin de cette belle terre, et ça nous inspire. Et oui, j'ai remarqué aussi que ton visage a changé. Tu es vraiment C'est le rouge, waouh, c'est quelque chose. Je pense que c'est une nouvelle étape dans ta vie. Vraiment, tu es en train de suivre la formation des formateurs avec Résonance Quantique. Alors bientôt, toi avec Pascal Ricard, vous êtes un binôme pour enseigner la méthode de 2 points niveau 1. Et vous faites déjà des ateliers, très bien. Hein, c'est où? Vous êtes où là en fait? Nous sommes à Quiberon, sur la presqu'île de Quiberon, et aussi nous avons également un cabinet à Auray, mais on peut aussi pour les ateliers se déplacer. Voilà. Ouais. Si on trouve des salles quelque part, on peut se déplacer pour des petits groupes Très pour faire bien. pour proposer voilà, des ateliers découvertes. Donc, Très bien. Et toi, tu as aussi un jour, par hasard, tu as trouvé une stage de résonance quantique. Je sais, j'ai aucune idée comment tu as trouvé résonance quantique et les stages. Est-ce que tu veux raconter un peu? Oui, ben donc ben déjà cette rencontre avec Résonance Quantique a changé ma vie parce que donc j'ai repris contact, ben, ou plutôt Pascal Ricard a repris contact avec moi. On avait fait un stage des soins esséniens. C'est-à-dire que je faisais la formation des soins esséniens en Dordogne et lui, il le faisait en Belgique. Et je suis allée sur un stage en Belgique. Et 2 ans plus tard, il est revenu. Voilà, il voulait venir découvrir mon lieu. Et bah, il m'a proposé, il venait de découvrir la méthode des 2 points, et il m'a proposé de me montrer cette méthode que je connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, bah, il m'a demandé si je voulais recevoir des pratiques. Et puis, j'ai dit oui. Bon, moi, je suis curieuse, donc j'ai dit oui, ok, hein, je suis partante. Et donc, en fait, il est resté une semaine à la maison. Et pendant la semaine, en fait, bah, 2, 3 fois par jour, on faisait des pratiques. Et il m'apprenait en même temps à les faire. Et. Ben, dans la méthode des 2 points, on doit exprimer un thème. Et moi, j'étais célibataire depuis un certain temps. Et mon thème, c'était de rencontrer quelqu'un. Et voilà, c'était de rencontrer mon prince charmant. Mais en fait, je voyais pas qu'il était devant moi. Donc, en fait, il m'a envoyé la méthode. Et puis, à force de m'envoyer la méthode, j'ai fini par ouvrir les yeux, quoi. Depuis, bah, ma vie a carrément changé parce que, bah, depuis, nous sommes ensemble et puis nous vivons de très belles aventures ensemble. Donc voilà, Wow. c'était. Donc, dans les 2 mois qui ont suivi, il y avait un stage à Paris et je me suis inscrite à ce stage. Et depuis, bah, je continue, quoi, parce que cette méthode, elle m'avait vraiment permis de prendre confiance en moi. Donc, moi, je pratique déjà les soins esséniens. Je recevais des gens dans les soins esséniens. D'ailleurs, ce qui m'avait emmenée vers la Belgique, c'est mon manque de confiance en moi. Donc, il y avait un stage complémentaire que j'avais décidé d'aller faire. Et en fait, cette méthode, elle me permet de prendre vraiment confiance. Et puis vraiment aussi de libérer voilà des choses de l'émotionnel, c'est assez rapide. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle méthode et puis que j'utilise même dans mes séances de soins esséniens en fait. Oui, très bien. On parlera dans une autre vidéo sur vraiment comment
Vous faites la connexion entre le soin asinien et la méthode de 2 points. T'as dit, alors, Pascal est venu une semaine chez toi pour te faire tous les jours plusieurs applications de 2 points et il te raconter et enseigner aussi comment ça marche. Alors, ça veut dire, pour apprendre la méthode de 2 points, il faut pas grand-chose. C'est hyper facile parce qu'en fait, il me faisait sur moi, il me faisait la pratique, et après, juste derrière, moi, je lui refaisais la pratique. En retour. Voilà. Bon, j'avais le petit livret que, voilà, pour avoir pour que lui puisse se centrer. Moi, je pouvais lire un petit peu comment ça se faisait, mais ça se faisait très simplement et en même temps, je voyais vraiment les réactions sur lui. Bon, sur moi, c'était évident parce que moi, je réagis beaucoup dans le corps. Donc, quand je fais des pratiques aux gens, je passe par le corps. Mais donc je voyais tout de suite forcément l'efficacité parce que bon ça réagissait très très fort donc c'était intéressant. Et c'est ça, peut-être on ne peut pas imaginer que tout est déjà là en nous et c'est le protocole pour l'appliquer à quelqu'un ou à soi-même ou c'est même pour les animaux, pour les plantes, pour les choses. Hein, c'est toujours un champ d'information. On va toujours libérer des énergies dans un champ d'information où les énergies, les informations blo sont bloquées quelque part. Et c'est vraiment, vraiment facile à faire. Et là, chez nous en Allemagne, il y a même des stages pour des enfants. Hein. Et l'autre côté, c'est hyper fort. Nous sommes connectés avec le tout et le plus, et tu as parlé de la confiance. Le plus nous sommes connectés avec notre propre source, ou ça fait une unité avec peut-être sur le niveau de l'âme, dans une autre dimension, dans un autre niveau, nous sommes déjà un. Mais on a oublié, hein, on a toutes ces croyances de séparation, de 3 dimensions et pas plus. Mais avec le champ quantique, on ouvre toutes ces portes et c'est incroyable. D'être pionnier, oui, en fait, nous sommes des enfants. Ce qui découvre qu'est-ce qu'il y a encore derrière et d'autres dimensions qui nous attendent. Ouais. C'est ça, c'est un jeu. Et pour la petite histoire, hier, on a fait une belle ba promenade en bateau vers l'île de Watt. Et moi, j'ai vraiment le mal de mer à chaque fois. Et donc, avant de prendre le bateau, voilà, on attendait d'embarquer et j'ai décidé de me faire une pratique. Et alors, ce qui était drôle, c'est que à quai, ben, j'avais le mal de mer. Juste quand j'ai fait la pratique, j'avais le mal de mer avant d'embarquer sur le bateau. Mais en fait, une fois embarquée sur le bateau, j'ai pas été malade. Et pourtant, au retour, je peux dire qu'il y avait des sacrées vagues. On a pris des sacrés paquets de mer dans la figure parce que ça remuait bien. Il y avait beaucoup de vent et j'ai pas du tout été malade. Et ça m'a pris 2 minutes quoi pour me faire la pratique. Donc, c'est ce qui est super dans cette pratique-là, c'est que déjà peut rendre les gens autonomes, c'est-à-dire que leur apprendre avec juste une petite pratique de base simple à libérer, voilà, s'il y a une émotion, s'ils ont une peur pour faire quelque chose, ça peut être libéré, mais en quelques minutes. Donc, c'est pour ça aussi l'intérêt des ateliers, c'est pour apprendre aussi aux gens à se prendre en main. Et nous, l'intérêt en tant que thérapeute, c'est pas que les gens deviennent dépendants. On n'a pas envie de les garder pendant 10 ans sur un divan. L'intérêt, c'est qu'ils puissent être autonomes. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, Très bien. c'est ça l'intérêt de cette pratique, c'est que vite fait, très vite, très rapidement. En fait, avec la méthode de 2 points, première chose à faire, de reprendre sa propre responsabilité aussi pour sa propre réalité, parce que c'est toujours nous qui sommes en train de refaire la même réalité,
la même réalité. Et on se demande pourquoi ça arrive toujours à moi. Mais oui, ce sont nos croyances, nos programmes et tout ce qu'il y a derrière. Et avec la méthode de deux points, nous sommes toujours en train de libérer les énergies fichées, de mettre d'autres ressources et de vraiment plonger dans une océan de renouvellement, on peut dire, hein, c'est ça? Et on reprend son pouvoir, en fait. Yeah. On reprend son propre pouvoir sur sa vie. Très bien. On n'est pas victime, on est juste responsable. Oui, et on a un potentiel infini en nous, chaque personne. Il faut rien pour commencer. Et c'est vraiment maintenant, tout le monde peut décider, ok, je m'en vais. Et ça fait résonance quantique. Alors, avec ce choix, je commence de me plonger dans le champ quantique et d'apprendre comment on peut lire la matrice, comment je peux agir dans la matrice et avec toute cette potentialité. Alors, juste ce choix-là, maintenant, c'est déjà une intention dans le champ et vous allez voir, les informations vont venir. C'est juste faire la bonne question pour avoir les bonnes réponses. Merci beaucoup Nelly. Merci. Ok. On a prévu d'autres vidéos pour parler plus sur les soins esséniennes et la méthode de deux points. Et aussi, on va faire une autre vidéo pour une expérience avec la méthode de deux points en Pérou. Mm-hmm. À plus, bientôt. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao, ciao Nelly. Au revoir.